De ses débuts à Anatomie d'une chute, Swan Harlow ne compte presque que des réussites dans sa filmographie. À l'affiche des Anatomie d'une chute, diffusée ce samedi 25 mai sur Canal+, le comédien baigne dans le cinéma depuis sa tendre enfance, avec une mère actrice et réalisatrice. Un succès critique et commercial. Avec Anatomie d'une chute, Justine Triet est définitivement passée dans une autre dimension. Son film a rapporté 35 millions de dollars, et 2 millions de Français se sont rendus dans les salles obscures pour le voir. Ce n'est pas tout. Lors de la tournée des cérémonies, Anatomie d'une chute a tout raflé, ou presque, pour ne pas écrire la livre, citons simplement la Palme d'Or. Le meilleur scénario au BAFTA, le César du meilleur film, de la meilleure actrice pour Sandra Hüller, mais aussi celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Swan Harlow. Déjà lauréat de deux Césars, un en 2018 pour son rôle dans Petit Paysan, et un autre en 2020 pour son interprétation percutante dans Grâce à Dieu, le comédien de 43 ans a baigné dans le milieu du cinéma dès son plus jeune âge. Petit-fils de l'acteur Max Vial, Swan Harlow est également le fils de la directrice de casting, réalisatrice et actrice, Tatiana Vial. En grandissant, je ne pensais même pas à ce métier. Tatiana Vial, qui est devenue directrice de casting au début des années 90, s'est essayée devant et derrière la caméra. Elle a notamment réalisé deux courts-métrages, Du Poulet, prix du public au Festival de Sarlat et Vénerman, prix du public au Festival européen du film court de Brest. Après avoir accueilli son fils Swan avec le chef décorateur Yann Harlow, Tatiana Vial a depuis refait sa vie avec le réalisateur et directeur de photographie Bruno Nuitten. Malgré les liens de sa famille avec le monde du cinéma, Swan Harlow le jure, il n'a pas toujours rêvé d'être acteur. Cela pourrait ressembler à une ligne toute tracée, mais en grandissant, je ne pensais même pas à ce métier. J'ai commencé à faire des castings pour la télé, comme n'importe qui pourrait le faire, seulement pour gagner un peu de sous. Cela m'amusait mais je n'étais pas persuadée d'avoir un quelconque talent, avait-il confié au Journal des Femmes. Puis d'ajouter, au bout d'un moment, je prenais un réel plaisir à tourner. Toutefois, Jai a un rapport compliqué à la légitimité. Est-ce que Jai le droit? Est-ce que je le mérite? Ces questions reviennent souvent. Parfois, on me dit, c'était facile pour toi, mais Jai commençait ce métier il y a presque 20 ans, le succès ne m'est pas arrivé tout cuit dans la bouche. J'éprouve une certaine satisfaction d'avoir obtenu les choses par moi-même, à force de travail et de persévérance. Cela ne fait pas très longtemps que je commence à être serein. Des questionnements loin derrière lui désormais.